Alors ce soir, au Cabaret Zarico, Daiko, Antoine Graton et Martin Robichaud. Alors ce soir, Cabaret Zarico, encore une belle soirée bien diversifiée. Alors on a Jean-Pascal et Germain-Pierre, duo de guitaristes. On a Daiko aussi, un groupe de Sherbrooke qui fait dans le rock. Et on a aussi Antoine Graton, que vous connaissez sûrement déjà. Et sinon, nous allons commencer la soirée avec Martin Robichaud. Bonjour Martin. Salut, salut. Ça va bien? Bien, bien, merci. Ben, vous-même? Et toi, tu nous arrives de où? Je suis là, je présente les gens et tout ça. Ben, t'arrives là, de où comme ça? Là? Moi ou ben, musicien? Toi, le groupe, ben, en fait, ça vient de où, Martin Robichaud? Ben, moi, j'ai été en fait conçu au Nouveau-Brunswick. Oh. Puis, sauf que j'ai habité toute ma vie au Québec. Là. OK. Je suis un Québécois d'origine acadienne, dans le fond. OK. Mais pour être plus concret dans le présent, là j'arrive de la Rive-Sud. T'arrives de la Rive-Sud, c'est ça, bon. La gang, eux autres, arrivent de Montréal. OK. Alors, un mélange de Rive-Sud. Sud et de Montréal. Ouais, mais ouais. Sauf qu'avec avec ce qu'on a aussi comme généalogie chacun, wow, il y en a ouais. Un qui vient comme de la Pologne, un autre qui vient comme de okay. L'Écosse, un autre qui, bon. Puis ça influence le en général la musique de Martin Robichaud, l'Écosse, la Pologne? Bien, influencer la musique, peut-être pas exactement, sauf que ça pourrait être une prérogative dans le sens que chacun, je pense, par ses origines, doit avoir développé une certaine ouverture d'esprit. Même si c'est pas directement relié, mais je pense que ça a un certain rapport. Je pense OK. Bien, ouais. Et je sais que c'est toujours dur de classer pour les gens quel genre de musique que vous faites. C'est la question un peu plate, là, mais mettons, pour nous situer de même, vous pouvez catégoriser à peu près comment? Je pense que particulièrement dans mon cas, c'est peut-être pas objectif là, ce que je vais dire, mais c'est difficile à classer, effectivement. Okay. Mais on pourrait dire un genre de folk... à la sauce, un peu musique du monde. OK. Nouvelle chanson, c'est... Faut l'écouter. C'est difficile à dire, je te dirais. Comme si tu mélangeais Bob Dylan avec la musique de Gitan, puis un petit peu de jazzé, puis un petit peu de trip-hop. Je sais pas trop comment t'expliquer. Ouais, c'est bon, mais on va découvrir ça, dans le fond, tout le monde ensemble, en même temps. Sa barbe à coup de sagesse arrive. La vague couleur rhubarbe retourne et puis dérive. Évidence, vous croyez, évidence colorée. C'est pas si simple, mes frères, de laisser jeunesse derrière. Que m'en a bavé de parcourir l'océan en sachant tout pervers que le vent là tu restes sur terre. Lorsqu'elle était plus jeune, fière vague reine de la mer. Lorsqu'elle était plus jeune, vision de l'éventail.
vent d'une vague d'amour. La sirène était morte, une punition qu'un jour élue en quelque sorte. Son père lui avait dit, fais plus l'amour aux vagues, sinon tu meurs cette nuit. Et ce n'était pas des blagues. Et moi depuis ce jour, je regarde à mes pieds, en mousse foisonnée. Merci bien. Peux-tu nous présenter un peu tes musiciens sont là, ils sont debout là, ben oui, ils nous attendent. Tant qu'à s'amuser à faire des plans de caméra. On va commencer par un monsieur qui est ici, là, lui, il joue de la guitare, c'est okay. Sean McDonald. Bonjour Sean. C'est lui qui est d'origine écossaise, là, si okay. je peux me permettre, là, kind of a Scottish. Permets-toi. Le petit monsieur qui est dans le fond, là, lui, il joue de la batterie, c'est Tim Van de Ven. Okay. C'est celui qui a des origines, peut-être, on pourrait dire, dans le fond, hollandaise. Hollandais. Fait que c'est ça. On pourrait continuer avec Véronique Bégin, au violon, de son nom d'artiste Nika, okay. Qui joue du violon électrique 5 cordes avec moi. La plupart du temps, c'est de ça qu'elle joue. Okay. Violon en question ayant été conçu et réalisé par Chris Cuber, le bassiste, okay. Qui est aussi mon réalisateur. Ah, avec, okay. Oui, qui est luthier aussi. Qui est aussi luthier. Oui, c'est un multitasking en bon français. Là. C'est ça, il est effectivement luthier, mais c'est aussi le réalisateur du disque là, qui est à venir, là, qui s'en vient pour la fin de l'été. Temps de la misère pour tous les rabouteux de semaine, que dans les arbres désertes le verre, qu'arrive l'écart de la déveine, quand le vent se lève sur la plaine, que se traîne la poudrerie, novembre sera toujours le même en ce pays. Plus les nœuds dans mes érables, je marche tout seul comme tout le monde, la face te veut pis pas parlable, quand vient le temps de payer les comptes, paraît qu'au temps de nos grands-pères, cette même misère à perte de vue, chacun défriche son coin de terre, y'a jamais rien qui pousse dessus, depuis le temps du hiver, on attend le soleil promis, on nous prend pour des conifères, les coupables blancs sont pas finis. On se laisse à planer par la vie. On nous rabote, on nous exploite. Le monde est un moulin si. Le monde est un moulin si. On nous enferme dans notre écorce. Tout le monde s'efforce de ne pas souffrir. On perd notre sève, on perd notre force à essayer de ne pas mourir. Je me sentrais comme un 2x4 dans le fond, ma boréale. On a perdu le goût de se battre depuis qu'on a le bien-être social. Depuis le temps du hiver, on attend le soleil promis. On nous prend pour des conifères. Les coupables blancs sont pas finis. On nous tue copeau par copeau. On se laisse aplanir par la vie. On nous rabote, on nous exploite. Le monde est un moulin si. Le monde est un moulin si.
le soleil promis. On nous prend pour des conifères, les copains blancs sont pas finis. On nous sucre peau par copeau, on se laisse aplanir par la vie. On nous rabote, on nous exploite, le monde donne la série. Puis le temps que dure l'hiver, on attend le soleil promis. On nous prend pour des conifères, les copains blancs sont pas finis. On nous suit comme pour par copeau, on se laisse aplanir par la vie. On nous rabatte, on nous exploite. Vous êtes en préparation d'un album. Oui, en fait, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais ça. J'ai jamais sorti d'album officiellement. J'ai été un petit peu souterrain. On a aussi souvent plusieurs périodes dans notre vie. À un moment donné, j'ai gagné un concours à Montréal, la première place des arts, en 99. Oh. Bon, il s'est passé d'autres affaires après. Mais là, finalement, ce projet d'album-là, là, il va finalement accoucher ou en tout cas venir au monde de lui-même. Là. À la fin, autour du mois d'août. On est supposé lancer ça au Nouveau-Brunswick, en fait. Ah oui, OK. Tu as gardé un bon contact avec ton lieu de conception, finalement. Absolument, oui. C'est des racines solides. Alors, avis à tous les téléspectateurs, c'est un bon lieu pour concevoir. Alors... Effectivement, j'ai conçu mon fils là-bas. Ah oui, pour vrai? Hein? C'est bon, hein? C'est vrai, hein? La tradition se perpétue. Et sinon, ben le projet s'appelle Martin Robichaud, mais ce que je comprends, c'est que tu travailles toujours pas mal avec le même monde. Ben, c'est que, l'esprit de bande est important. Même qu'à un moment donné, on s'est posé la question, moi, j'ai amené la question sur la table, j'ai dit, voulez-vous qu'on s'appelle un band ou qu'on s'appelle mon nom? Bon, démocratiquement, c'est venu sur le fait que ce soit mon nom. Je sais pas nécessairement pourquoi, mais ça se peut, par exemple, que dans le futur, on donne un nom, mettons, à l'ensemble des musiciens pour accoter, si tu veux, le Sinon, faites un album sur Sean, un autre sur, sur Amica. Mais... Thank you.
mieux. Ne me parlez pas de ces mêmes accords. Ce sont ceux que je sais. Et quoi d'autre encore qu'une gorgée de bière pour attiser le feu et 3000 chimères qui se tiennent au milieu. C'est pour le mieux. 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 Donc, l'album va avoir tout un rapport. Là. C'est un concept qui est basé sur les trois métamorphoses de l'esprit. Okay. Ça vient d'un livre qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Okay. Philosophe illustre allemand. Bon, Monsieur Nietzsche. Oui, le livre ainsi parlait Zarathoustra. Le prologue à ce livre-là, c'est les trois métamorphoses de l'esprit. Donc, il y a des chansons chameaux, des chansons lions et des chansons enfants. C'est ça le but. J'imagine que ça va quand même donner un peu une idée de l'univers de Martin Robichaud and the band. Bien, je pense que c'est le but de l'exercice des cabarets Zarricot, n'est-ce pas? Ouais. Et si on veut de l'information sur le band, on peut aller visiter le... On peut y aller par plusieurs façons. J'ai pas encore mon .com ou mon .mu à moi, là, ça va venir. Mais en attendant, on peut toujours le faire par MySpace. Okay. Donc, MySpace Martin Robichaud. Donc, Robichaud étant... par CHAUD. Bon, ça va être écrit ici, donc c'est ça. Oui. Donc, le MySpace Martin Robichaud. Sinon, il y a Reverb Nation, que plusieurs musiciens connaissent. Donc, Reverb Nation Martin Robichaud. On peut aller écouter plusieurs trucs, certaines vidéos. Si j'imagine aussi, on peut être au courant. Si vous avez des spectacles et tout ça, on passe par là. Oui, les dates sont là. Il y a bio, photo, calendrier, tout le kit.